Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo de suivi pour vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. On a quelques nouvelles de l'hôpital, on a enfin les résultats de mes tests génétiques. Et en fait, les résultats sont négatifs, à savoir que ce n'est pas a priori une SLA génétique. Alors, autant vous dire que mes enfants, ma sœur, enfin ma famille est plutôt soulagée. Après, le petit bémol, c'est qu'il y avait des traitements pour les SLA génétiques qu'on n'a pas sinon. Mais bon, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est réglé. Ensuite, on a aussi eu les résultats de mon essai thérapeutique qui s'est interrompu précipitamment. À savoir, est-ce que j'avais le placebo ou pas? Eh ben, je n'avais pas le placebo. Ça veut dire que j'avais le médicament, enfin la substance active. Et du coup, faut bien dire que ça marchait pas du tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la dernière injection, enfin la dernière perfusion, remontant à plus de 5 mois, ben j'ai pu arrêter les antibiotiques, l'oracilline que je prenais matin et soir. Donc ça c'est cool, ça fait un médoc en moins. Voilà. Et enfin, le cannabis thérapeutique, ça fait un peu plus d'un mois, un mois et demi que je l'ai et que j'en prends. Et c'est plutôt pas mal. Alors comment ça se présente? C'est pas du shit ou de l'herbe qu'on fume, c'est des petites gélules sphériques. Ça s'appelle du marinol qui est dosé à 2,5 mg. Alors j'ai aucune idée de ce que ça, à quoi ça correspond. J'en prends une gélule le matin, une le midi et trois le soir. Donc ça fait 5 par jour, c'est la dose maximum qui m'avait été recommandée par le médecin de la douleur. Et je dois dire qu'il y a des effets plutôt sympas, ben notamment quand j'en prends 3 le soir. Les effets mettent un moment à démarrer, ça met une bonne heure, 1 heure et demie avant que je ressente les effets. Et d'un coup, je sens dans mes jambes comme si ça se réchauffait et tous mes muscles se détendent. Il y a également aussi un bien-être global. Il y a aussi le fait que ça m'ouvre l'appétit. Donc, je retrouve le plaisir que j'avais à manger, le plaisir que j'avais un peu perdu ces derniers temps par manque d'appétit. Et aussi, j'ai l'impression que c'est un effet plutôt bénéfique sur le transit intestinal. Voilà. Le seul bémol, c'est que les effets ne durent pas très longtemps. Au bout de quelques heures, ça disparaît. Donc, comme je les prends le soir, dans la nuit, vers 2 heures du mat, par là, je me réveille à cause des douleurs. Mais bon, au moins, je passe des bonnes soirées et ça, c'est cool. Ensuite, petite nouveauté pour moi, j'avais de plus en plus de soucis pour aller faire pipi la nuit, vu que je peux plus me lever tout seul. Il fallait que mon épouse se réveille, qu'elle m'aide à me lever, qu'on aille aux toilettes. Enfin, bon, c'était l'enfer pour elle et pour moi. On avait essayé le pistolet, là, c'est les trucs comme dans les hôpitaux, c'est comme une sorte de bouteille qu'on se met entre les jambes et on fait pipi dedans. Le problème de ça, c'est que vu que je peux plus bouger mes bras, il faut également que ma femme se réveille, qu'elle me mette en place le pistolet. En plus, psychologiquement, c'est pas facile de faire pipi là-dedans. Donc, ça n'a pas été une grande réussite. Et comme toutes les nuits, j'en pouvais plus d'avoir envie de pisser, on a essayé depuis quelques jours le Pénilex. Alors, le Pénilex, c'est une sorte de mix entre une capote et un entonnoir, hein. C'est comme un préservatif qu'on se met sur la teub et au bout il y a un petit entonnoir avec un tuyau et ça va dans une poche qui est accrochée au lit et du coup quand on a envie de faire pipi il suffit de faire pipi et voilà. Alors il y a un petit inconvénient à ça, c'est que l'intérieur du
préservatif, entre guillemets, a comme un peu de la colle pour que ça reste bien en place toute la nuit et qu'il n'y ait pas de fuite. Et du coup, le matin, pour l'enlever, c'est un peu la galère. Oui, parce que c'est à usage unique. Donc, tous les soirs, il faut en mettre un nouveau. Et tous les matins, il faut jeter l'ancien. Et donc, à décoller, c'est pas facile. Donc, peut-être qu'on s'y prend mal. Je sais pas. On va essayer de se renseigner là-dessus. Voilà, des nouvelles du fauteuil roulant électrique. Eh ben, c'est un peu l'Arlésienne. Il est à nouveau décalé. On m'a annoncé courant décembre, toujours pour des problèmes d'approvisionnement dus au Covid ou à la reprise de l'industrie, je ne sais pas trop. Enfin, il leur manque des pièces. Donc, on attend toujours ce fauteuil. C'est un peu la galère sans, parce que pour moi, j'ai un tout petit fauteuil électrique pliable. Mais il a des tout petits trous, des tout petits moteurs, une toute petite batterie. Donc, la moindre petite marche, je ne peux pas la monter. Si je veux faire des longs déplacements, entre guillemets, comme aller chez le kiné, c'est un peu la galère. Donc, on attend toujours ce fauteuil électrique avec beaucoup d'impatience. Et enfin, les trucs fun. La dernière vidéo, je vous avais parlé de nouvelles sportives. Et ben, ça y est, on a enfin fait notre première course en joëlette. La joëlette, c'est une sorte de, c'est un peu comme une brouette avec des poignées. Moi, je suis assis dedans et il y a des coureurs à pied qui me poussent et qui me tirent. Alors, c'était le marathon du Beaujolais, le semi-marathon, et c'était tellement une journée extraordinaire que je vais vous en faire une vidéo dédiée où je vous raconterai tout de A à Z. Donc ça, sûrement par là, je mettrai le lien de la vidéo quand elle sera prête. Et également, c'est enfin officiel, l'Ultra Boucle de la Sarah, c'est une course qui a lieu tous les ans au mois de mai à Lyon, à Fourvière, c'est là-haut sur la colline. Et c'est un mix de trail urbain et de course horaire. Et ce qui me touche énormément, c'est que cette année, enfin pour l'édition du mois de mai qui arrive, l'organisation a décidé de faire une édition spéciale Essela, de récolter des dons pour l'Arsla. Et en plus, ils m'ont demandé si je voulais bien être le parrain de cette édition. Donc pour moi, c'est une immense fierté et un immense bonheur d'être le parrain de cette édition. Et j'essaierai d'aller sur place au mois de mai, si mon état le permet à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt pour la vidéo sur le marathon du Beaujolais. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.